Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur sur Google Sheet. Aujourd'hui, nous allons voir comment dans Google Sheet, je peux faire des mises en forme conditionnelles sur des heures, mais aussi sur des cases à cocher. Je vais ouvrir mon fichier d'exemple. Voilà. Donc, vous voyez que ici, dans la colonne A, j'ai mis différentes heures. Donc, pour mettre des heures, je mets, donc, par exemple, 08, 2.00 pour dire 8 heures. Voilà le format pour des heures. En colonne B, j'ai mis des cases à cocher. Et dans la colonne C, je souhaite avoir une mise en forme conditionnelle par rapport à différents critères. Donc, mon critère, par exemple, c'est qu'entre 8 heures et midi, la cellule apparaît en jaune. Entre midi et 17 heures, en rouge. Et si la personne coche la case, ça apparaît en vert. Donc, nous allons faire cette mise en forme conditionnelle dans la cellule C. Donc je me mets dans la cellule où je souhaite faire la mise en forme conditionnelle, donc C2. Je vais cliquer sur l'onglet Format et je vais lancer Mise en forme conditionnelle. Par contre, j'ai un petit souci. C'est que pour faire la mise en forme conditionnelle, je dois savoir comment Google travaille avec les heures. Alors, c'est relativement simple. Pour Google Sheet, une journée, c'est 24 heures. Et lui, 24 heures, c'est égal au nombre 1. Donc, midi, c'est la moitié donc de la journée, donc la moitié de 24 heures, donc c'est égal à 0,5, la moitié de 1. Par contre, 8 heures et 17 heures, imaginons, c'est un peu plus compliqué. Donc, pour ce faire, pour arriver à calculer précisément ma formule, donc je vais mettre ici 8 heures, donc 08, 2.00, je mets midi, donc 12 heures, 2.00, et 17h, 17, 2.00. J'ai dit qu'il est calculé au format nombre, donc il me suffit simplement de sélectionner mes heures, de me rendre ici dans les formats, et de le mettre au format nombre. Et on voit que du coup, 8 heures, c'est 0,33. Mais si je regarde dans la formule, c'est 0,3333. Midi, c'est bien égal à 0,5. Et 17h, 0,71, non. Car si je regarde dans, ici, au niveau de la barre de formule, je vois que c'est aussi un arrondi. Donc si je souhaite calculer ma mise en forme conditionnelle à la minute près, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre sous forme de fraction. Donc je vais sélectionner mes nombres. Je retourne toujours ici dans autre format. Alors, comme j'ai utilisé récemment, on trouve ici mes formats sous forme de fraction. Si ils n'y sont pas parce que vous n'avez pas utilisé ce format il y a très peu de temps, donc il faut aller dans autre format, format de nombre personnalisé, et il faut chercher, donc il y a une liste, il suffit des fois de faire simplement défiler la liste, de chercher, et vous voyez que j'ai ici, directement, mon format sous forme de fraction. Donc, je le prends et je fais appliquer. Et du coup, je vois que 0,3333 c'est égal à 1 tiers, mon 0,5 1 demi, et mon 0,71 5 septièmes. À partir de là, je vais pouvoir faire donc ma formule, donc c'était dans C2, donc appliqué à la plage C2, règle de mise en forme pour la changement de couleur de mise en surbrillance de mes cellules. Vous voyez qu'ici, j'ai une petite liste déroulante, donc je fais dérouler, et on voit que je peux, si c'est vide, si c'est pas vide, du texte qui contient, qui commence, des dates supérieures à, et la formule est personnalisée. Donc c'est pour ça que j'ai dû savoir comment travailler Google Sheet avec les heures, car il n'y a nulle part ici une particularité sur les heures. Donc je vais prendre la formule personnalisée et je me mets ici dans la barre valeur ou formule, je clique dessus, voilà, et j'ai dit que je veux que ça passe en jaune quand la valeur en A2 est compris entre 8 heures et, donc pour faire cette formule, je commence par égal pour passer en mode calcul formule. Et je vais utiliser la fonction et. Donc, je mets et, j'ouvre la parenthèse. Et j'ai dit A2. A2. Supérieur, on va dire supérieur ou égal. Donc je vais prendre 8 heures en compte dans ma couleur de mise en forme conditionnelle. À 8 heures, donc. Et on a dit que 8 heures, c'était 1 tiers. Donc, je vais mettre 1 tiers. Point virgule, pour séparer
mon premier argument. Je vais écrire maintenant le deuxième argument. Donc je commence toujours avec A2. Et j'ai dit inférieur à midi. Et cette fois-ci, je veux que midi ne soit pas jaune, mais soit rouge. Donc voilà, c'est mon choix. Donc midi, c'est 1/2. Donc inférieur à 1/2. Je ferme la parenthèse. Et j'ai dit que je voulais que ce soit jaune le matin. Je clique ici sur couleur de remplissage et je vais choisir du jaune. Je fais OK. Je vais ajouter une règle. Donc toujours appliquée à C2, règle de mise en forme n'est pas vide. Donc je vais toujours cliquer sur la petite flèche pour faire défiler jusqu'en bas la formule personnalisée est. Et je vais recommencer. Donc valeur ou formule, je me mets dedans. Là aussi, je vais, comme tout à l'heure, égal. La fonction est, j'ouvre la parenthèse, A2. Et cette fois-ci, comme tout à l'heure, j'ai mis strictement inférieur à midi. Cette fois-ci, je vais mettre supérieur ou égal à 1/2. Point virgule. Et ensuite, A2, inférieur ou égal, pour à 17h, ça soit encore rouge. Donc c'est pour ça que j'ai mis inférieur ou égal. Si j'avais pas mis inférieur ou égal, 17h apparaîtrait en blanc. 16h59 et 59 secondes apparaîtraient en rouge, mais pas 17h. Et ici, je mets 5 septièmes. C'est ce qu'on avait trouvé dans notre petite formule de calcul. Je ferme la parenthèse. J'ai dit en rouge, donc comme tout à l'heure, couleur de remplissage, et je vais choisir le rouge. Je fais OK. Et on va voir si cela fonctionne. Donc si je mets 7 heures, ça paraît bien en blanc. Si je mets 9 heures, voilà. Si je mets 14 heures. Et maintenant, on va voir le cas de 17 heures et de midi. Donc si je vais mettre 17 heures, c'est toujours en rouge. Si je mets midi, c'est bien aussi en rouge. Donc cela fonctionne bien. Et si je mets 11h59, 59, ça paraît bien en jaune. Donc je remets 8 heures. Mais maintenant, j'ai mon cadre de la case à cocher. Alors la case à cocher, comme vous pouvez voir, c'est une petite case, hein. Alors pour insérer des cases à cocher, il suffit simplement d'aller dans Insertion et Cases à cocher. Voilà. Rien de plus simple, je dirais, quelque part. Mais par contre, alors comment fonctionne la case à cocher? Ben, quand je la coche, vous voyez que dans la barre de formule, il est écrit vrai, et quand je la décoche, il est écrit faux. Donc on va utiliser cette fonctionnalité pour le faire passer donc cette cellule C2 en vert. Donc, je me mets dans la cellule C2, je fais ajouter une règle. Donc toujours pareil, appliquer à la plage donc bien C2, règle de mise en forme pour donc la mise en forme des couleurs. Je clique, et cette fois-ci, comme toujours, je vais sur la formule personnalisée et. Et ma formule, c'est égale, donc je suis en B2, B2, égale vrai, et je veux que ce soit en vert. Et je clique sur OK. Alors par contre, maintenant, ma problématique, c'est de savoir qui est prioritaire? Est-ce que ce sont les heures? Donc savoir, est-ce que c'est 8h, midi, 17h, 15h qui est prioritaire? Ou est-ce que c'est la case à cocher? Si c'est la case à cocher, donc je descends sur ma mise en forme conditionnelle. Vous voyez qu'ici j'ai quatre petits points. Quand je me mets dessus, mon curseur change en donc une croix avec des flèches. Donc je vais utiliser ça. Je vais faire un clic gauche et je maintiens. Et je vais la faire glisser en première position afin que ce soit elle qui est prioritaire sur les heures. Et du coup, si je viens cocher la case, vous voyez que ça passe en vert si je décoche en jaune. Si je mets 14 heures, ça paraît bien en rouge. Si je coche, ça paraît bien en vert. Donc j'ai bien réalisé mes trois mises en forme conditionnelles. La première en jaune pour le matin, la seconde c'était en rouge pour l'après-midi, la troisième en vert sur la case à cocher, mais comme c'est la case à cocher qui est prioritaire, c'est pour ça que je l'ai mise en première position dans mes règles de mise en forme.
Et maintenant, si je souhaite mettre tout ceci sur le restant de ma colonne, je vais utiliser ici le petit rouleau, appliquer le format. Donc, je me suis bien mis sur ma cellule. Je clique et je vais ensuite appliquer sur les cellules de la colonne. Voilà. Et vous voyez que je peux utiliser les cases à cocher, les heures, et cela fonctionne bien. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur Google Sheets et les mises en forme conditionnelles des heures et des cases à cocher. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation.